Mais il faudrait que vous référiez au discours que j'ai fait tout à l'heure. J'ai dit que la rencontre de ce jour se situait dans le cadre du renforcement des capacités du personnel du service de santé des armées, de l'hôpital régional des armées de Pointe-Toi, mais également de la direction régionale du service de santé du centre militaire de défense niveau 1. Renforcement des capacités, vous avez suivi après les échanges que le plan a eu avec eux. Le médecin colonel Mbongo a présenté le soutien santé en opération et eux, ils nous ont parlé de la prise en charge des blessés depuis le théâtre des opérations jusqu'à leur évacuation. Il faudrait dire que le navire hôpital H2P est un navire qui est bien équipé, que ce navire dispose d'un plateau technique performant et donc il n'y a pas de doute, hein, la prise en charge sera efficace, efficiente. Et que les patients congolais qui seront pris en charge à bord du navire seront bien traités.